Salut à tous, donc on s'était quitté devant le tokai. Débris de bois, déjà il est en fer, c'est ça. Donc le tokai qui nous donnait. L'épée de fer, voilà. On peut pas trouver celui qui l'a perdu là. À moins que ça soit nous dans une autre époque ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Enfin. Ah, mais j'ai compris. C'est notre bouclier de bois qu'on avait perdu. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, quand on nous avait volé tous nos objets, là, le bouclier de bois, on a dû en racheter un. Et bien lui, en fait, il a pris notre bouclier de bois et il dit qu'il l'a nettoyé, il l'a poli. Ça l'a transformé en bouclier de fer, enfin, je pense. Et donc, vous vous rappelez, on nous a donné l'écaille de Zora. Et cette écaille va nous permettre de passer par ici. Voilà. Alors vous voyez qu'on est en voilà, vous voyez où on est. Et bien si vous êtes en mode Link, il faut pas aller là, mais une case plus à droite et dans le présent, hein, pas dans le passé. Donc vous allez là dans le présent si vous êtes en mode Link. Voilà. Parce que ça change. Voilà. T'es une bronze. C'est énorme, juste avec les... J'ai mis juste les consonnes du truc et ça fait comme Mr. Freeze quand tu veux. Alors, voilà. Et là, on va retrouver des gens qu'on avait déjà vus dans Seasons. Ou, à moins que... Non, faut pas changer d'époque. Voilà, faut foncer, hop. Et là, on rentre. Alors, je sais pas par où on est rentré. Mais vous vous rappelez d'eux, c'est les pirates. Enfin, vous vous rappelez d'eux si vous avez vu Seasons, bien sûr. La mer du nom tout. Donc là, il y a pas mal de coffres à avoir maintenant qu'on a le grappin niveau 2. Il y en a un dans la maison du maire Alina, par exemple. On a quelques-uns sous l'eau, mais je vais pas les prendre. Parce que les anneaux, je m'en fous, en fait. Si je vais tous les montrer... Enfin, je les montrerai tous, mais je montrerai pas où... Enfin, je verrai. Quand je les aurai tous. Je ferai une vidéo pour les montrer. Mais je montrerai pas ouais, où ils sont parce que s'il y en a c'est aléatoire, etc. Sauf les plus importants comme l'anneau rouge, mais vous savez déjà. Voilà, ils nous échangent notre écaille de Zora contre un œil de Tokai. Et par contre, si on vient en mode Link, ils nous reconnaissent puisqu'on les a déjà vus. Donc ils nous. Voilà. Mais ça change juste le dialogue, hein, ça changera à l'aventure. Voilà. Et donc la Link, ils l'ont trouvé à l'île Tokai. Bon, c'était un petit peu logique vu que c'est un œil de Tokai. Et là, si vous vous rappelez bien, le troisième donjon. Je sais pas si vous vous rappelez du troisième donjon. Le troisième donjon, c'était un. Petit navire, non, je... C'était un espèce de. Ça ressemble à rien en fait. Un masque de. Enfin, c'est bizarre. Un truc avec une gueule bizarre. Mais c'était dans le présent. Et ce même donjon existait dans le passé. Enfin, vous allez voir. Où est-ce que c'est déjà? Voilà, c'est là. Vous vous rappelez le troisième donjon. Mais c'était ça dans le présent. Et là, dans le passé, c'est une route pour aller au 8ème en fait. Il suffit de mettre l'autre œil et clac, zip, blanc. Voilà, donc là il y a trois salles, une pour la force, une pour la sagesse et une pour le courage. Mais c'est pas dur. Hein. Alors celle de force c'est juste qu'il y a plein de momies, donc elles sont assez puissantes. Avec le bouclier niveau 2, l'épée niveau 2, ça va vite. Hein. Et de une. La deuxième salle, bon, c'est un bordel avec des trucs. Alors ça, je crois que c'est celle du courage. Enfin bon, on s'en fout. De toute façon, j'appelle même pas ça des épreuves, tellement c'est simple. Il y a juste les petits cons là qui vont me faire chier à la sortie. Mais ça va pas être dur.
Je vais prendre le boomerang. Merde. Attendez. Voilà. Et la troisième, c'est une salle avec des trous qu'on peut passer avec la canne de Somaria ou avec une technique que j'avais trouvée quand j'étais gosse. Tac. Vous allez voir, ça c'est fun. Bon, le but c'est de retomber là où il n'y a pas de trou. C'est faisable, hein, je vous le jure. Merde, j'y étais presque. Attendez. Ok. Voilà. Donc là, en fait, c'est par là qu'il faut passer. Parce que normalement, il faut faire tout un tour là en passant par le bas. Faut faire bas, droite, haut, gauche, voilà. Enfin, il y a un chemin dans ce sens-là. En fait, on peut passer comme ça. Putain, je vous jure, c'est possible. Putain, mais quel opine. Mais non, connard. Je perds plus de temps que si j'avais fait le truc normalement. Je perds de la vie, en plus. Voilà. Voilà, bon, vous avez compris comment faire. Bon, normalement c'était censé être plus rapide en faisant comme ça, mais je me suis coupé. Je regarde s'il n'y a pas un truc en bas. Et allez. Oh, putain, j'ai cru que j'allais me retrouver à un autre endroit. Voilà. Donc là c'est tout con. C'est même pas une énigme. Hop. Et on se retrouve dans les ruines près du 8ème donjon. Donc vous voyez, c'est assez rapide pour y aller. Et ces trucs là on peut les prendre avec le bouclier niveau 2. Le gant niveau 2. Enfin le truc de force niveau 2. Alors soit vous utilisez ça, soit vous utilisez le. Bon c'est plus efficace les graines Pégase. Hein. Soit vous utilisez le boomerang. Parce que sinon vous êtes mal. Bon, l'inconvénient c'est que ça marche pas sur les robots, mais ça marche sur eux par contre. Alors eux ils sont chiants, ils tirent à travers les murs. Ouais. Mais bon, eux ils sont pas résistants donc c'est fou, pas besoin de les assommer. Alors ces trucs faudra les soulever plus tard. Ah oui, alors par contre là, Edges marque. Seasons marque un point. Je vous avais dit, bon, qu'en général les trucs sont mieux dans Edges, mais là par contre dans Season c'est mieux. Parce que déjà à boucler niveau 2, vous avez vu, il y a une quête sympa avec des minerais. Alors que là, dans Edges, ben, on a juste à passer ses lots et hop, on l'a. Et pour l'anneau rouge, vous vous rappelez, faut extraire 4 monstres dorés. Et ben là c'est de la merde aussi. On l'a tout simplement sous une de ces statues là. Donc on pourra l'avoir qu'à la fin, qu'après le 8ème donjon. Bon, à la fin du jeu, quoi. Et voilà. Vous voyez, c'était pas long. Alors ce donjon est assez dur quand même. Bah oui, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier, mais par contre, là, à différence de Edges où le château de Nox, c'est 3 salles à passer, c'est plus long. Hein, dans... À différence de Seasons. Putain, mais j'arrête pas de confondre. À différence de Seasons, là, le château de Véran, bah déjà, faut escalader toute la tour noire et ensuite passer quelques salles. Quoi. Je sais pas s'il faut tous les tuer, mais bon. Ouais. Pour le fun, on va le faire. Voilà. Alors, là, faut regarder un peu comment la salle est faite. Donc, vous voyez, déjà une énigme, on est déjà bloqué à la première salle. Alors, je crois qu'il y a une bombe à mettre. Ouais, c'est ça.
Je sais que c'est sur un côté comme ça. Ah, attendez. Fallait pas pousser un truc ou je sais pas quoi là. Voilà. Ah, c'est ça. Si ça fait un son différent, c'est qu'on peut passer. Oups. Alors là, je vous conseille de tuer toutes les mains. Ah, connasse. Putain, ils nous font chier dès le... Dès le premier truc, quoi. Mais oh là là, je suis une merde. Oh putain. Putain, le gars qui se fait avoir dès le... Bon, ouais, il y en a plus. Alors par contre là, si vous avez pas de bombe, c'est un peu dégueulasse leur truc. Hein. Vous avez pas de bombe, vous faites comment hein? Vous êtes obligé de creuser dehors pour en chercher ou quoi? Ah oui, alors je m'en rappelle maintenant. En fait là, le truc, c'est que comme vous voyez, il y a une truc. Il va falloir trouver 4 tablettes afin de les placer. Enfin, vous allez voir ça quand on va descendre, si je me trompe pas. Alors là, il faut... Ah oui, merde, faut... Ok. Je vois. Faut bloquer tous les boutons. Et allumer le truc. Donc là, il va s'éteindre, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est des petits énigmes sympas. Pas durs, mais sympas, quoi. Voilà, un étage de fait, déjà. Mais détrompez-vous si vous pensez que c'est facile, hein. Parce que c'est long. C'est le plus dur des donjons. Sans compter les donjons du modeling, bien sûr. Alors... Oh, c'est des fantômes affectueux. En fait, ils nous foncent dessus, quoi, à la différence des autres. Mais c'est vraiment mon donjon préféré, celui-là. C'est le dernier, mais je le trouve bien, en fait. Parce que les énigmes sont variées, le truc des tablettes j'ai bien aimé aussi. Non, y'a rien par là. Je vais me mettre là. Je sais pas s'il reste là après. Non. Au moins, on n'a qu'une route, donc on va pas se perdre. Donc là ils font tous les trucs, hein. il y a les blocs, il y a de tout là. Donc ça va pas être de la tarte. Dommage. J'ai bien la tarte. Bon Ouais. Ouais, il y a les blocs, il y a les tourniquets, il y a de tout. Il faut tout pour faire un monde, donc... Bon. Bon, allez, vu qu'on se fait chier, je vais vous raconter ma vie. Tout à l'heure là, alors attendez, c'était énorme parce qu'en fait, vous voyez là, c'est la troisième vidéo que je fais à la suite, et entre les deux dernières là, je suis arrivé, enfin, on a sonné à ma porte, donc moi j'arrive en pyjama, il est quand même midi et demi, quoi, et t'as la femme, t'avais une femme comme ça, je peux accéder, elle fait, je vous réveille peut-être. Non, je suis à une pyjama party. Non, en fait, c'était pour... C'était pour quoi déjà? Le prix des agricoles, je sais pas quoi.
On a essayé de m'embobiner, quoi. Donc, vas-y. Voilà, moi j'ai une gueule naturellement du gars qui en a rien à foutre. Non, parce que c'est ma gueule naturelle, quoi. Donc, elle a dû se dire, bon, apparemment ça le fait chier. Donc, elle a abandonné, elle a dit, je vous laisse ma carte. J'ai dit, non, moi je suis à la caisse d'épargne, je suis pas à la crise agricole. Non, c'était même pas la crise agricole, je sais plus ce que c'était, enfin, une banque, quoi. Donc, je m'en foutais. Elle a dit ouais, après c'est à vous de comparer pour voir lequel est le mieux. Enfin, c'est pour faire genre, elle m'oblige pas, mais en fait, voilà quoi. Sa carte, je vais l'utiliser pour emballer un gâteau. Moi. Alors, hop, vous voyez, il y a plein d'énigmes de toutes les sortes là. C'est, enfin, franchement, ce donjon, je l'adore. Toutes les énigmes du jeu, quoi. Ok. C'est tout. Ouais. Par contre, la musique est spéciale. Hein. Elle est un peu n'importe quoi, la musique. Bon, je dis bien que c'est le donjon le plus dur du jeu, mais il est pas très dur, en fait. Et je suis assez con. C'est un peu débile pour le donjon le plus dur du jeu de pas être bien. Ah oui, merde, j'aurais dû changer les couleurs des trucs. Ah, quoique, peut-être pas en fait. Attendez. Vu que je suis jamais passé par là. Ah ouais, ça me permet de passer ça. Alors là, vous voyez, c'est... Alors ça, c'est original par contre. C'est carrément le monstre qui a la clé. Alors là, ouais, normalement, fallait changer la couleur des trucs, hein, apparemment. Ouais, fallait changer la couleur. Donc, je vais remettre un coup dans l'interrupteur. J'étais pas venu là encore. Non. Ah, mais y a pas le mini-boss là. Je crois qu'il y a le mini-boss en haut. Bon, écoutez, je vais refaire une vidéo juste après. Hein, parce que je l'aime bien en fond. Hein. J'étais pas encore venu. Putain, je suis en train de me paumer là complètement. Donc ouais, il faut que je me rappelle que je dois changer le truc. Aïe, salaud. J'ai rien dit. Putain, mais laisse-moi. Oh putain, on joue. Celui-là, il est dur par contre. Bon, je vous avais dit, hein, ça combine toutes les énigmes du jeu. Bon là, il faut que je trouve un moyen de retourner au truc pour changer la couleur des machins. Alors... Peut-être qu'en passant par là... Merde. Ah non, merde, c'est vrai qu'il est pas... Ah oui, putain. Au secours. Aidez-moi. Bon, écoutez, on va se quitter là, on verra plus tard. Allez, salut.